Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing. Alors, c'est un wagon de marchandises. Ça faisait longtemps que j'ai dit sur la chaîne que je suis en manque de wagons de marchandises par rapport à l'ensemble des locomotives dédiées au trafic marchandises que je peux avoir, aux petits trous. Donc, 150Z, les 150Y, 150X. Et donc, aujourd'hui, c'est un wagon de marchandises de chez Saxen Model. Référence 16334. Voilà. Et ce wagon, il est en gérance à elle. Donc, quand je peux trouver des wagons qui sont en gérance à elle, c'est quand même plutôt pas mal. Il est neuf, il n'a jamais roulé, et je l'ai eu pour un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire moins de 25 euros. Donc je vous propose qu'on fasse l'unboxing et qu'on regarde un petit peu ce wagon couvert qui s'appelle Tigre, Bock, Bière, Hâte, Strasbourg, Cronenbourg. Et allons-y. Le packaging de l'époque Saxen Model est une enveloppe carton et puis ensuite après un enchâssement en polystyrène. La boîte est neuve, absolument nickel. Il y a simplement ici une inscription, la référence. Et donc voilà ce petit wagon. Je vais vous le sortir. Alors déjà, fait notable, il y a des super détaillages. Alors je sais pas très très bien ce que c'est. Mais apparemment, il y a des marchepieds, il y a toute une série de petites pièces à pouvoir monter, qui n'ont jamais donc été montées. Ça, c'est plutôt pas mal. Je suppose que ça, c'est une notice très succincte qui donne les différentes pièces. Et pas forcément où bien, où tout est monté. Enfin, on a les éléments. Je suppose que ça donne l'indication. Il spécifie colle ABS. Intéressant. Et le wagon. Alors, voilà, ça doit être. C'est ici que doit être fixé l'ensemble des pièces qu'on a vues précédemment. C'est très 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 fin. C'est très 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 fin. Je vous montre. Donc là, on a vraiment une topographie qui est vraiment très très bien faite. Très lisible. Le dessous du wagon, juste ce qu'il faut pour évoquer les tringleries de freinage. Vous voyez, ça roule vraiment comme du roco, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Ils n'ont jamais roulé, hein. ça se voit, la bande de roulement. Élongation, qui va mériter certainement un petit peu de graisse pour glisser, mais déjà, pas mal, hein. Il n'y a pas trop de points durs sur l'élongation. Donc vraiment un très très joli petit wagon. Voilà, avec une inscription ici. À elle, puis un numéro de série, je crois. Vraiment un très très joli petit wagon. Un poids tout à fait correct. Pas trop lesté. Donc vraiment, vraiment pas mal. Et donc le fait qu'il soit en gérance à elle, c'est un vrai plus.
Donc je suis vraiment très très content de ce petit wagon Tigre Bock bière hâte. Voilà, c'était tout pour la présentation de ce petit wagon. J'espère que vous avez apprécié découvrir cette référence avec moi. Saxen Model, c'est... En tout cas, sur les références de cette époque-là, c'est très équivalent à, en qualité par Rocco, puisque de toute façon, c'était fabriqué par Rocco, par les usines de Rocco à Salzbourg. Et je dois dire que même si ce modèle-là a déjà... un peu plus de 25 ans, il n'a rien à envier aux qualités des matériels modernes. Et le tarif est quand même beaucoup plus acceptable. Donc, moi, je suis assez content. En plus, ils roulent bien. Ils ont toutes les qualités des wagons de marchandises de Rocco. Mais c'est du Saxen Model. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un petit pouce et un commentaire dans la section commentaires. Un grand merci à toutes les personnes qui font des tips sur Tipeee pour m'aider au financement de la chaîne. Un grand merci aussi à tous les nouveaux abonnés. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et évidemment, faites du train. Ciao !